You just got pwned, pwned. Pwned, pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau retour en arrière que je vais dédier à toi. Oui, toi qui as eu une Mega Drive alors que tous tes amis avaient une Super Nintendo. Toi qui te sentais exclu au moment où tout le monde ne jurait que par Zelda A Link to the Past. Mais toi qui as eu ta revanche avec le jeu La Légende de Thor, car cet exclu, c'était la tienne. Bon ok, c'était celle de la Mega Drive, et tu étais tout seul à avoir cette console, mais bon sang, toi aussi tu as eu ton aventure épique. Dans ce jeu, on incarne le prince Ali. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. Non, pas lui, un autre. Ali donc découvre un bracelet en or et dès qu'il va l'enfiler, un esprit va faire d'Ali l'élu dont le rôle va être de lutter contre les forces du mal issues du bracelet d'argent. Et il semblerait que le mal n'ait pas mis longtemps à venir foutre le bordel dans le coin. Du coup, Ali n'a plus trop le choix et il va devoir trouver et détruire ce bracelet d'argent. Sorti en 1994 sur Mega Drive, La Légende de Thor ou Beyond Oasis en anglais est un jeu qui semble être la réponse de Sega à Nintendo avec son Zelda. La firme du hérisson bleu a en effet mis les moyens en proposant une cartouche de 24 mégas qui a été bien mise à profit. Il suffit de regarder cette magnifique introduction pour s'en rendre compte. Avec son style très manga, on peut dire que Sega frappe un grand coup. C'est de toute beauté. L'histoire se déroule dans une île nommée Oasis, et l'ensemble baigne dans une ambiance très fortement inspirée des légendes orientales. Et pourquoi ça s'appelle la légende de Thor alors? C'est plutôt d'inspiration nordique ça, non? Je t'en pose des questions moi. Et t'as pas des devoirs à faire plutôt que de jouer à la console? Allez, dégage! Laisse bosser les grands. Bon, c'est vrai que passer de Beyond Oasis à la légende de Thor, le traducteur devait être sacrément bourré ce jour-là. Bref. Mais attends, il faut pas que je m'écoute, je suis bourré. Notre prince Ali va donc partir à la recherche de quatre esprits. Ditto, l'esprit de l'eau. Efrit, l'esprit du feu. Shade, l'esprit de l'ombre. Et enfin, Bao, l'esprit de la terre. Une fois récupéré, Ali aura la possibilité d'invoquer l'esprit avec son bracelet en envoyant une boule de lumière sur l'élément qu'il souhaite invoquer. Par exemple, si je l'envoie sur un cours d'eau, j'invoquerai Ditto. Vous voyez le principe? Bah oui, je suis pas teubé. T'es encore là, toi? Bon, tu peux rester, mais du calme. À l'image de Zelda, Ali dispose de plusieurs types d'armes, épées, bombes ou encore arcs. Mais ces armes ne sont pas utilisables à volonté. Hormis quelques exceptions, ces armes disposent d'un certain nombre de coups avant de se briser. Oui, mais... Et avant que tu dises quelque chose, ne viens pas avec ton Zelda sur Switch qui a le même principe, sinon je t'en colle une. Ok, mais... Ta gueule! On peut pas avoir la paix 5 minutes ici. Outre la trame principale, le jeu propose également des quêtes annexes pour trouver des armes plus puissantes ou encore des joyaux pour renforcer le pouvoir des esprits. Surtout, le jeu était totalement en français, ce qui n'était pas très courant à l'époque et vraiment très appréciable sur un jeu de ce type. Prends ça dans les dents, Zelda! Un tour en dessous, tu veux bien? Parce que oui, le jeu est superbe avec des animations très réussies, il dispose de phases d'action très chouettes et de boss impressionnants de par leur taille, mais il n'est pas exempt de défauts. Déjà, le jeu est très linéaire dans sa trame principale et sa durée de vie ne rivalise pas avec un RPG classique. En plus, la maniabilité est parfois capricieuse, en particulier sur les phases de plateforme qui nécessitent de la précision. Déprime pas, voyons. Le jeu possède quelques défauts, c'est vrai, mais il reste une excellente exclusivité de la Mega Drive. Pour tout dire, je regrette de ne pas avoir pu le faire à l'époque, et je suis content d'avoir eu l'occasion de me rattraper depuis.
Car oui, la Mega Drive n'a peut-être pas eu de Zelda ou de Final Fantasy, mais elle a aussi eu droit à de très chouettes jeux qui rivalisaient très bien avec les productions que l'on pouvait trouver sur Super Nintendo. Alors, Super Nintendo ou Mega Drive ? Zelda ou Thor ? On s'en fiche franchement, l'essentiel c'est que l'on prenne du plaisir à jouer, vous ne croyez pas ? En tout cas, c'est ce que je pense, et la légende de Thor mérite autant son titre que la légende de Zelda. Par contre, j'aimerais bien savoir le mystère qui entoure la traduction choisie pour ce titre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour un nouveau retour en arrière très bientôt, et en attendant, jouez bien !